Les églises de Russie vivent à l'heure du calendrier julien. Noël est célébré le 7 janvier et ici la tradition est d'offrir un repas aux plus démunis. Chacun d'entre nous est important, même si une personne traverse une période difficile. Cela ne signifie pas qu'elle est moins importante que quelqu'un d'autre. Les bénévoles de cette église du centre de Moscou viennent toute l'année en aide aux sans-abri, mais la période de Noël est particulière. Nous invitons pour ce repas nos amis, ceux que nous voyons toute l'année. Ce sont des sans-abri, des pensionnaires de maisons de retraite et des enfants de nos écoles pour migrants. Parmi les invités, Natalia, elle a 43 ans, elle est sans domicile fixe et ce repas est pour elle l'occasion de retrouver ceux qu'elle considère comme ses proches. L'important n'est pas la nourriture sur la table, le plus important c'est l'atmosphère du repas et la bienveillance des gens autour de nous. Cela fait vraiment du bien d'être ici. Selon les estimations de l'Office fédéral russe des statistiques, fin 2018, 14 500 000 Russes vivaient sous le seuil de pauvreté.